triste. Oh, je me suis fait mal à la jambe. Oh, oh. Emma, tant pis. Il faut continuer. Il faut que je soigne mes patients. J'ai beaucoup de patients. Voilà. Bon, alors, attendez. Vas-y, moment. Oh, oh, c'est pas là. Alors, je suis prêt. Premier patient, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur docteur. Bonjour, bonjour. Je suis le docteur Malrémois. Quoi? Je suis le docteur Malrémois. Ok. Non. Voilà. Et qu'est-ce que je puis vous faire pour vous aujourd'hui? Vous savez, monsieur docteur, ça fait quelques semaines que j'entends rien et je sens rien. Et je ne sais pas pourquoi. Je suis allé déjà à beaucoup de spécialistes, à New York, à Paris, à Zurich, et personne n'a su pourquoi je ne sens pas, je ne tends pas. Et ils m'ont recommandé à venir chez vous, parce que vous êtes un spécialiste mondialement connu ici. Alors, vous savez qu'est-ce qui me passe? Alors, d'abord, il faut un examen. Il faut que je vous examine. Alors, déshabillez-vous. Quoi? Déshabillez-vous. Ok. Et mettez-vous à quatre pattes. À quatre pattes, comme un animal. Ouais? Ouais. Pourquoi? Ah, c'est parce que, avant d'être médecin, j'étais vétérinaire. Je soignais les animaux. Alors, c'est beaucoup plus facile comme ça. Ah non, c'est un blague, c'est une blague. Ok. Asseyez-vous, asseyez-vous. Oui, c'est une petite blague que je raconte à tous mes patients pour les mettre à l'aise. Ok. Mais sérieusement, il faut que je vous examine. Ok. Le stéthoscope. Ah, c'est grave. Okay, ça ne marche pas. Ok. Oui, ça va. Ouais. Ça va. Tape un peu, tape un peu. Et je vais prendre votre pouls. Oui, je vais prendre votre pouls. Ce n'est pas ce que vous pensez. Okay. Oui, ça va? Oui. Ça marche comme une montre suisse? Le pouls? Comme une montre suisse, oui, parfaitement. Okay. Oui. Mais il y a autre chose. Qu'est-ce qu'on va faire? Bon, il faut un prélèvement de sang. Ok. Oui. Et ensuite, un prélèvement de... De pipi d'ici jusqu'à là? C'est un peu compliqué, non? Avec la... Non? Ah, non, attendez. Oui? J'ai remarqué un détail. Oui? Oui. Vous êtes un spécialiste quand même. Oui. J'ai remarqué des brocolis. Oui, mais l'autre docteur. Une carotte. Mais c'est normal, non? Un panais. Oui? Oui. Alors. Vous voulez savoir mon opinion professionnelle? Bien sûr! Mon opinion professionnelle, c'est que vous ne mangez pas comme il faut. Vous ne mangez pas comme il faut. Non. Ok. D'accord. Merci, monsieur docteur. Au revoir. Au revoir. 500 euros. Oh. 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 Quel patient, hein? Monsieur docteur, j'ai un grand problème. Tout le monde m'ignore et je ne sais pas pourquoi. Je regarde dans le miroir et moi je me vois et je mets des vêtements comme ça
faut que les gens me voient. Mais je vais dans un bar et on ne m'attend pas. Je ne peux pas boire une coca, une bière, je dois la piquer. Et si je vais au supermarché, je ne peux pas payer. Alors, monsieur docteur, vous savez pourquoi tout le monde m'ignore? Moi, je suis ici, je suis présent, mais je ne sais pas. Au suivant. Monsieur docteur, vous voyez le truc qu'on a demandé à l'université de MIT Stanford est arrivé. C'est Florence, l'infirmière. Florence. Bonjour Florence, comment ça va? Hey. Vous voyez, c'est génial, non? Ça a coûté 15 millions d'euros. Eh bien, j'aurais préféré quelque chose de plus technique ou de nouveaux médicaments, mais. Alors, tant pis. Vous savez, mais l'université de Stanford, c'est la meilleure du monde. Ah oui, c'est l'université scientifique la plus célèbre du monde, oui. C'est une autre ligue que l'université de Bristol, quand même. Peut-être. Attends, on va trouver quelque chose, oui. J'ai une idée. Ah oui, allez-y. Ça sert pour gratter le dos. Ah, c'est bon. Et ensuite... C'est bien tombé parce que justement, je viens de me faire mal à la jambe. Alors. Oui, c'est une béquille. Une béquille, oui. Ils sont bien les Américains. Oui. Et ensuite, si j'ai une radiographe d'un patient, je veux montrer, indiquer les zones importante du radiographe. Oui, c'est une baguette pour indiquer les zones. Ensuite, quoi d'autre? S'il y a un patient qui a perdu connaissance, un patient inconscient. Qui est tombé dans les pommes? Oui, qui est tombé dans les pommes. Ah ouais? Le voilà dans la salle d'attente. Tout à fait inconscient. Qu'est-ce qu'on va faire? J'en sais pas. Oui. Beaucoup de nos patients sont malades, vous savez. Ah oui? Oui. Oui, c'est non. Affreux. Oui. Je ne comprends pas pour que les malades ont médecin. On est très occupés, Mais ils viennent ici, ils sont malades. Mais on sait si on est malade, on reste au lit. Oui. On ne sort pas de ses choix. Ainsi, ce patient inconscient sur le plancher. Peut-être il a une maladie contagieuse. Oh mon maladie Dieu. Contagieuse, on ne peut pas attraper. Alors, avec ce truc-là, on peut lui piquer. S'il est mort, il ne bouge pas. S'il est encore vivant, il bouge, ça va. C'est une épreuve infaillible. Oh, c'est très intelligent, ça. Oui. Quand on tombe dans les pommes. Vous savez, on a un pommier dehors et les pommes, ils sont très hauts. Oui. Alors avec ces trucs-là, avec les pommes qui sont en haut, on peut frapper pour que les pommes tombent et le feu recueillir. C'est ça, oui, très utile, très utile. Ça sert à beaucoup de choses, le truc des Américains, quand même. Vous savez, quelquefois, il faut contrôler les réflexes. Ah oui, comme ça haut. Ah oui, ça sert à distance. On peut faire comme ça. Alors? Et comme ça, vous n'attrapez pas de maladie. Ah, c'est bien. Et finalement, on a beaucoup de patients très, très vieux. Très vieux. Ils sont chez eux, ils sont coincés dans le fauteuil. Ils font rentrer dans le fauteuil. Ah oui, ils font dans le fauteuil. Ils regardent la télé, oui, toute la journée. Ah oui. Ils ont un télécommande pour changer de chaîne, Coréen, Chaussée, EastEnders, Maître Chef, comme ça. Mais quelquefois, la télécommande ne marche plus. Alors, avec ça, on peut changer de chaîne.
Oui, tout simplement, sans téléphone. Ah, ça sert à beaucoup de choses. Ah, le téléphone. Mais, attendez. Bon, qui c'est à cette heure? Ah, c'est Boston. Oh. Ah, bonjour, bonjour, messieurs. Oui, on l'a reçu, oui, on l'a reçu, c'est formidable, oui. C'est un article de technologie formidable. On a déjà trouvé beaucoup d'usages pour ça, oui. Comment? C'est une erreur. Vous n'aurez pas dû nous l'envoyer, hein? Quoi? C'est un râteau.